Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Piracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 537 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, écoutez, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement continué nos missions de combat dans lesquelles on avait fait, souvenez-vous, l'affrontement avec Aster, avec Terrako. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer à contre l'emprise de Ganon, tout simplement, avec notre cher Teba. Voilà, c'est décidé. C'est avec notre cher Teba, non, pas toi. Notre cher Teba, les amis, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec des armes. Enfin, si on peut faire quelque chose avec Teba, ça serait cool. Mais ouais, on va tenter. 7. Oh. Oui, non. 80. Non, donc c'est mieux lui. En fait, c'est même mieux que je commence à l'upgrade. J'aurais pas le choix de l'upgrade là. Portée d'attaque. Arc de l'hirondelle. Ouais, c'est pas le choix. Pas le choix. Comme ça, on est niveau 16. Après, je peux malheureusement rien faire derrière. Donc, ouais. On va tenter. Plus ça. Ben, on va tenter ça. Ça. Alors, c'est fait exprès ce que je vais faire. Hein. C'est totalement fait exprès. C'est juste pour le mettre vraiment bien à niveau parce qu'on va du coup faire une case. Enfin une case, qu'est-ce que je dis? On n'est pas dans Definitive Edition. On va tout simplement s'attaquer à une mission de combat compliquée. Donc vaut mieux le mettre à jour maintenant. Et comme ça, on met, avec les prochaines armes, on mettra à jour quand on, bah, quand on pourra être niveau 20 tout simplement. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc les amis, en route avec du coup notre mission de combat. Alors, contre l'emprise de Ganon. L'emprise de Ganon se répand autour du château. Éliminez-la le plus vite possible pour limiter les dégâts. On peut voir qu'en ennemi principal, du coup, il y a l'emprise de Ganon. Et les amis, pas d'apparition d'objets de régénération et du temps limité. Donc, les amis, c'est parti. 10 niveaux de moins, mais écoutez, c'est pas très grave. Avec Teba, sachant qu'en plus, même les réceptacles de cœur sont pas foufou. Ça me fait d'ailleurs même peur. Il a à peine, enfin il manque du coup 3 réceptacles de cœur pour avoir sa deuxième barre de cœur entièrement remplie. Ça me fait un petit peu peur pour Teba, je vous avoue, ça me fait un petit peu peur, mais bon, écoutez les amis, il faut avoir des couilles de temps en temps un petit peu. Donc écoutez, on y va, on les a, 10 niveaux de moins, ça nous permettra de nous challenger encore un peu plus. Ouf, je suis désolé les amis, ouais, on s'étire un peu. Parce que je pense que le combat va être difficile, hein, je vous le dis, je pense qu'on va peut-être souffrir pour celle-là. Après, c'est moi qui m'auto-inflige ça, mais bon, écoutez. J'aurais pu prendre Link et hop, on n'en parle non plus, mais bon, on va pas céder à la facilité. Donc on va tout simplement s'attaquer, voilà. Ou à Zelda, du coup, maintenant. Commencer la bataille. Alors, salut toi. Ok. Non. Oh le bâtard. Ah merde, c'est pas... Non. Bah c'est... Finalement ça servait à rien. Allez. Allez go. Allez. Putain, on lui fait mal. Finalement. On croirait pas comme ça, mais on lui fait mal en fait. Attention. Non. Arrêtez de bouger. Eh oui, tu te fais pour qui toi? Allez. Merci. Oui, putain. Allez. Oh là, attention. Non. Arrêtez de bouger. Putain, on est en train de l'enchaîner. Par contre, on a 5 minutes au total. On avait 5 minutes. On a déjà passé 1 minute et quelques. Le coup moins faible. Alors à votre avis, est-ce qu'on va pouvoir lui faire pas mal de dégâts? Oui, ça va, il est même... Il est... Un tiers de sa vie, il manque. Attention. Il a vraiment que cette attaque ou c'est moi? Ok. Good news. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Oh. Par contre, il m'enchaîne là, non? Oula, attention. Ouais, surtout qu'il fait mal là maintenant. Il fait quoi là?
Oh oh. Putain, heureusement qu'on a esquivé ça. C'est fait exprès. Hein. J'ai profité de cette. De ce momentanum là. Ok. Allez, il lui manque plus. Enfin, vraiment pas grand chose en plus. Allez, là, logiquement, on le finit. Et normalement, c'est terminé. Et oui, bah écoutez, c'est fini. Oh, bah finalement, même 10 niveaux de moins, on y arrive. Hein. Et du coup, pour compléter la semaine, écoutez tranquillement contre l'emprise de Ganon. Nickel! C'est niveau. Deux niveaux et demi, même pratiquement trois niveaux, d'accord, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ok, bah écoutez, ça fait plaisir. Oui! Le rapport d'analyse des reliques. Et trois lubrifiants. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Du coup, pour cette semaine, évidemment, ça te permet de compléter la semaine. Du coup, bah, les amis, déjà, au cas où, je vous assure, hein, mais c'est sûr à 100%, le prochain épisode, enfin, la semaine qui suit sera un mini-planning. Hein, c'est sûr, même pendant quelques semaines, on va faire du mini-planning. C'est évident. Et donc, du coup, bah, les amis, durant ce mini-planning-là, bah, écoutez, on continuera notre aventure. Hein. D'ailleurs, écoutez, on a une ligne de sang, mais qui n'est pas au bon endroit, évidemment, comme d'habitude. Donc, du coup, bah, les amis, ça veut dire que dans l'épisode prochain, qui sera du coup demain, quand même encore, les amis, vu qu'on le fait toujours pour les mini-plannings le lundi, le vendredi et le dimanche, voilà, donc il y a trois épisodes, c'est déjà très bien. On ira tout simplement s'attaquer tout simplement à notre dernière mission de combat des niveaux 60 au niveau, enfin, du niveau 61 au niveau 4, oh non. Du niveau 61 au niveau 70, pardon, dans lequel c'est une mission de combat DLC, ex le nerf de la guerre. Donc on peut voir d'ailleurs qu'on est obligé de le faire avec Proa et Pharas et Terraco. Écoutez, ça ne me dérange pas du tout, hein, bien au contraire. Donc c'est notre dernière mission de combat dans ces eaux-là, en tout cas dans cette slot-là. Après, on pourra s'attaquer tout simplement au niveau conseil du niveau 71 au niveau 80. D'ailleurs, au cas où, on profitera de direct avant de s'attaquer à la suite d'ici, tout simplement s'attaquer aux spécimens dangereux. Hein, on va aller directement les commencer maintenant. Enfin, aller maintenant. Directement, une fois qu'on aura fini la prochaine mission de combat. Ça sera du coup notre prochain objectif. Donc, sachant qu'il y en a 10 hein, de spécimens dangereux. Il me semble qu'il y en a 10. Hein, si je ne m'abuse, je vous dis ça. Mais attendez, je vous dis ça. Je vais pas non plus vous mentir. Je vais quand même vérifier de mon côté pour être sûr à 100% de ce que je vous avance. Mais il me semble qu'il y en a vraiment 10. Hein, il faut que j'aille voir là-dedans. 63, oui, l'air du fléau, Tetec, fond. Et du coup, logiquement, ils sont où? Les spécimens dangereux, ils sont là. Donc, 1, 2, 3, ok, 2, 5. Non, il y en a 11 même. Il y en a 11. Voilà, il y a 11 spécimens dangereux. Donc, ça fait 11 missions de combat. Donc, écoutez, plus du coup, ça là, en fait, il y en a 10. Un peu dans des zones un peu random, comme par exemple la forteresse d'Akala, le hameau des anémones, le village de Cocorico et j'en passe. Et il y en a un, évidemment, au temple oublié. Donc, du coup, lui, vu qu'il reste là, on le fera, je pense, on le fera en dernier. J'aimerais bien le faire en dernier. Donc, ça nous permet tout simplement de s'attaquer, par exemple, à une des trois là, tout simplement. Ça serait cool de faire une des trois. Mais voilà, donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Puis, donc, tout simplement, voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi, vraiment, il me sera vraiment, j'aurais été, voilà, bien. Je trouve cet épisode très cool. Honnêtement, on aura fait pas mal, même cette semaine, pas mal de petites choses. On aura fait au moins une lune de sang. Écoutez, hein, toujours une lune de sang, ça fait plaisir. Ça fait du bien un peu que ça se débloque un petit peu parce que on est resté vraiment je crois même une centaine d'épisodes, hein, il me semble. Peut-être un peu plus ou un petit peu moins, je sais plus, mais dans lequel on n'avait pas une lune de sang du tout. Et là, ça fait du bien que ça se débloque un petit peu, ça nous permet vraiment en plus de refaire un peu de scénario, ça nous coupe un petit peu les missions de combat pour nous laisser un peu respirer, voilà, et de changer un peu, on va dire, de faire autre chose, quoi, un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Et non, du coup, ben voilà. Donc, une fois qu'on aura terminé ça, on s'attaque aux spécimens dangereux en priorité. Et une fois qu'on aura fini les 11 spécimens dangereux, tout simplement, ben on fera du coup le fameux niveau conseil du niveau 71 au niveau 80. Et ensuite, ben 80 à 90, on se les laissera
tout simplement ouais c'est ça, on se les laissera une fois qu'on aura fini tout simplement le dernier chapitre au niveau du scénario, comme ça au moins dans ça nous laisse entrecouper par exemple le niveau attendez je dis ça c'est ça attendez je dis des conneries, ça on le fait une fois qu'on a fini les spécimens dangereux, ensuite on fait ça aussi et ensuite c'est ça hein. Attendez. Non, ça c'est déjà fait, mais oui, ça c'est déjà fait, 71. Enfin, 71. Donc, on fait 71 à 80, mais avant de faire ça, on finit ici, donc la dernière mission de combat, spécimen dangereux, on finit du niveau 71 au niveau 80, on fait le chapitre, le dernier chapitre du scénario, genre le chapitre, vu qu'on a fait déjà le chapitre 6 en mode normal, tout simplement, on fera du coup le fameux chapitre numéro 7. Donc voilà, enfin, avec les trois scénarios. Ensuite, pour couper un petit peu, on fait du coup nos missions de combat de niveau 80 au niveau 90 et du niveau 91 au niveau 100. Et puis après, ben, on s'attaque tout simplement aux missions DLC. Et après, on finira tout simplement par faire des créatures divines. Voilà, en termes de missions de combat. Comme ça, écoutez, ça nous permet de reprendre après, les amis, en mode difficile. Tout simplement l'intégralité du jeu, donc avec du coup bah, du scénario une fois qu'on aura fini la dernière mission de combat des créatures divines à mode difficile, donc on prendra du bah, comme on a fait pour le mode normal du scénario, et du coup bah, là ça nous ouvrira du coup les portes les amis pour du coup le mode difficile également pour les lunes de sang, voilà, donc quand ça réapparaîtra ici réapparaîtra ici en lune de sang, ben bah, tout simplement ça nous ouvrira la porte. Ici, on l'a déjà fait en mode difficile. Comme je vous ai dit, il y a toujours le fameux si on l'a fait, hein, évidemment. Donc, par exemple, on a fini ça, mais il y a une lune de sang. On a fini ça et pareil pour le laboratoire royal. S'il y a une lune de sang, par exemple, qui pop sur la princesse des auras, alors qu'on n'a pas encore fait en mode difficile, ben on la fera pas, évidemment. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Sauf si on l'a pas fait en mode normal ou en mode. Enfin, mode normal, même si ça m'étonnerait quand même finalement un petit peu, mais le temps de tous les épisodes, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc au moins vous êtes un petit peu au courant. Donc voilà, mais écoutez, en tout cas, on se rapproche d'ailleurs dangereusement un petit peu de ce mode difficile. Alors je sais pas si est-ce que ça sera dans cette centaine là, on est déjà à l'épisode 537. Je sais pas du tout, honnêtement, je sais pas du tout, sachant que ça dépend également des lunes de sang, ça dépend de comment on gère ça, parce qu'il nous en manque une là. Alors, on va quand même faire un petit calcul. Donc là, il manque un épisode, après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Donc ça fait 9 épisodes au total, plus les spécimens dangereux, ça fait, vu qu'il y en a 11, donc ça fait 20 épisodes. Donc voilà, 20 épisodes, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 27 épisodes, 28, 29, 29 épisodes, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, j'ai l'impression. Donc 41 épisodes, plus les épisodes en rapport avec du coup les fameux chapitres. Je sais pas combien on mettra, mais on va dire peut-être 2 épisodes ici, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Je mets toujours une moyenne de 2. Ça pourrait être plus, comme ça peut être moins. 41, 42, 43, 44, 45. Non, j'ai dit 42 tout à l'heure. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Je crois que c'est ça, 48. Et du coup, 49, 50, 51, 52. Ouais, en fait, je suis en train de me rendre compte que tout dépendra de la lune de sang. Sinon, ben, je pense qu'on pourra peut-être réussir à s'attaquer au mode difficile. Je vous dis bien, sûrement, peut-être. En mode difficile dans cette centaine là, après on verra. Écoutez, si c'est pas cette centaine là, ça sera certainement la centaine d'après. C'est sûr d'ailleurs, même à 100%, que ça sera la centaine d'après. Mais voilà, écoutez, en tout cas, on est déjà à l'épisode 537. On prend notre temps, on n'a pas besoin de se précipiter. Et puis voilà, du coup, bah, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup à l'épisode prochain pour l'épisode 538 qui sera du coup demain évidemment. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace.